Dans le cadre du dispositif Isère Médecin, j'ai été aidé de deux manières. Premièrement, le département nous a permis de nous financer la maison de santé à hauteur de 100 000 euros. Secondairement, lors de mon installation, le département m'a permis de rembourser une partie de mon matériel médical, ce qui n'est pas négligeable non plus pour se lancer lors de son installation. La maison de santé nous permet aussi d'attirer des jeunes médecins qui sont prêts à venir travailler avec nous, car ils ne se retrouvent pas tout seuls lors de leur premier jour. Travailler en groupe pour améliorer l'accès aux soins, mais également l'efficience des soins, un plus non négligeable. Quand on est arrivé dans la région, on avait des enfants bas âge et un fils asthmatique. Et en fait, il fallait qu'on ait un médecin sur place pour les renouvellements de traitement. Tous les médecins ne prenaient pas de nouveaux patients. Et quand la maison médicale a ouvert ses portes, j'ai téléphoné et j'ai eu le docteur Val. Pour moi, l'avantage de la maison médicale, c'est la disponibilité, la proximité. Parce qu'en fait, on se dit qu'il y a toujours un médecin qui peut nous recevoir, même si notre médecin traitant est en vacances. On a forcément un de ses remplaçants et en cas d'urgence, on appelle et on est quasiment sûr d'avoir un rendez-vous dans la journée.